merci au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore? Pendant que nous sommes debout, nous allons directement ouvrir nos Bibles. Nous prenons dans Amos chapitre 3, verset 7. Amos, vous avez mis ça, vous avez mis ça et Sambo. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Zambi Kolo Yahweh, Asala Kaelo Komokote, Yambonae Kozipula Mabomba Minaye, et Père Basali Nae Basakoli. Nous allons prier. Toko Bondela. J'ai longtemps erré sans guide, altéré d'un vrai bonheur. Mais hélas, mon cœur avide, détourné de la douleur. Où sera ta main puissante qui pourra pas sonner fort? Arrêté sur cet émoi, ou déjà, je vois la mort est sauve. J'ai livré, alléluia, sans rire.
temps de nous puisse prier le Seigneur. Oh.
acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite nos alléluia. Hey! Seigneur, désormais et sans retour. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Prends-moi l'homme à côté. Mets l'interprète à côté. Manifeste ta grâce ce matin. Et bénis ton peuple. Je sais que le malade est déjà guéri. Je sais que le faible est déjà fortifié. Le rétrograde est déjà ramené. La joie du salut est déjà installée. Ta force est déjà là. Bénis Seigneur ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, alléluia, nous pouvons nous asseoir. Quel moment béni d'adoration. Désormais et sans retour. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans ce lieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus-Christ? Je suis dans la joie d'être avec vous. Pour partager la parole du Seigneur ce matin. Est-ce que là derrière, dehors, on nous écoute? Merci, Dieu soit loué. Nous avons commencé un sujet que nous avons intitulé le plan du salut pour aujourd'hui. Ou le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Je vous avais dit que je peux prêcher ça pendant une année. Puisque quand j'étudiais ces choses-là sur le plan de salut, j'ai vu beaucoup de choses s'ouvrir devant moi. Et comme je vous avais promis, je vais prêcher sur la Russie et la prophétie. C'est par là que j'ai commencé. Et Dieu permettant, si quand je vais retourner après le voyage missionnaire, après le long voyage missionnaire que je veux faire, je vais rentrer encore dans le plan du salut, le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Mais pour ce matin, on va essayer de mettre une virgule par rapport à la Russie et à la prophétie. De voir ce que Dieu nous révèle au travers de Frère Branham dans ces temps ici. Là au début, Dieu nous avait dit que Dieu prédestine un prophète pour chaque âge. Puisque dans sa pensée, il voulait partager sa vie éternelle avec l'homme. Il voulait que l'homme soit éternel comme lui, Dieu est éternel. Et nous avons vu que dans sa pensée, il voulait être aussi guérisseur, rédempteur, sauveur. Il voulait être toutes ces choses-là. Alors pour l'être, il fallait qu'il mette en Éden, là où l'homme était éternel, deux arbres. Ah, là où l'homme était éternel. Pour que les deux arbres puissent jouer le rôle qui permettrait à Dieu d'exprimer toutes les vertus qui étaient en lui. Il ne peut pas être un sauveur s'il n'y a pas un perdu. Il ne pouvait pas être un guérisseur s'il n'y avait pas un malade. Il ne peut pas être un rédempteur s'il n'y avait pas quelqu'un qui a perdu sa position. Il ne pouvait pas manifester la grâce s'il n'y avait pas un disgracié. Alors pour que cela s'accomplisse, il devait être l'arbre de connaissance de bien et du mal à un côté, et l'arbre de la vie de l'autre côté, pour que quand l'arbre de connaissance de bien et du mal va pousser l'homme à perdre sa position de l'éternité,
L'arbre de vie va le restaurer dans l'éternité. Alléluia. Amen. Et l'arbre du bien et du mal, c'était Satan. Par l'entremise de la connaissance de ce qu'il a donné à la femme. Et l'arbre de la vie, c'était Jésus-Christ qui viendrait mourir à la croix pour restaurer l'homme dans la vie éternelle. Et Frobanam a ajouté une parole peut-être que vous avez laissé échapper. Que pour que Dieu rentre vers l'homme dans la vie éternelle, il devait se faire chair. Alléluia. C'est pourquoi lui-même est devenu cher pour accomplir ses plans. Et à partir de lui, il a commencé à se diviser en chair humaine pour sauver le reste de l'humanité. Dans l'ancien temps, il les a montrés à ombre au travers des prophètes. Et arrivé au milieu de la Bible, l'ombre est devenu la réalité. L'homme de Galilée lui-même, et quand il est parti, il a pris son ministère. Il les a divisés au travers de 7 messagers. Et arrivé à la fin du temps, il prend tout ce qui était dans les 7. Il le met dans un seul message. Là où nous appelons le ministère de l'infaillibilité. Le ministère de Christ lui-même. C'est pourquoi nous, nous sommes le peuple le plus privilégié. D'être le peuple de ce prophète merveilleux que tu as envoyé dans cet âge ici. Je ne parle pas, je ne rentre pas dans ces choses-là. Parce que le plan de l'humanité est tellement grand, on y reviendra. Amen, amen. Amen. Ainsi comme Dieu. Pour sauver une génération. Pour amener le salut dans une génération. Il appelle un peu un prophète. Et il donne à ce prophète la capacité de connaître tout ce qui se passerait dans cet âge-là. Dieu nous a envoyé Frère Branham. L'homme important de l'âge. Oui, je ne mets pas l'eau dans ma bouche à parler de ça. La personne la plus importante de cet âge, c'est William Marion Branham. Parce que lui-même l'a déclaré. Et nous autres, nous sommes les auxiliaires. Et Dieu lui a donné le secret de cet âge. Et il a commencé à parler. C'est là que ce messager, c'est Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu prend son secret de l'âge. Il le donne à William Branham. Et il demande à William Branham d'en parler. C'est là que Branham se tient debout et il dit. C'est là qu'il est écrit dans l'Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée se tient debout. Et il dit. En tant que messager de l'âge, je suis en train de vous dire que cet âge serait animé par cette grande vision. Que cet âge ici sera identifié par cet grand événement, cette grande
vision. Balimoni Sambo. Il a commencé à parler de Mussolini. Mussolini. Et Hitler. Una Hitler. Et l'immoralité de la femme. Le lenga kobika mabe ya basi. Et la montée de la femme. La kobata na mwasi. Et le développement de la science. Ndengeze be kokene liboso. Il a parlé de toutes ces choses. Alobi makambo nyonso. Et la septième vision. Kasilimoni ya Sambo. J'ai vu les États-Unis. Alobi na moni emeke la Amerika. Enfimé. Eza na mulinga. Mais avant d'arriver à la septième vision, il vous dit dans une des visions. La quatrième, la quatrième, la cinquième, la troisième, la quatrième, alors. Observez la Russie, c'est quelle vision? Abibota la Russie, les ana limoni nini. Vous avez ça dans vos mains. Te voir à domicile, alors que c'est très simple. Donc le mardi vous allez. Moussala na lobi na bino bokona osala ndako. Ezaka na maboko na bino na exposé des âges. Ouvrez vos bibles là-bas. Vous exposez des âges. Vous avez un téléphone na bino. Allez, trouvez-moi. C'est la quatrième vision. Bofungula ngo. Bolukela ngai yango. Cinquième vision. Imoni ya Sambo. Septième vision. Non. Non, moi je n'ai pas besoin d'entrer. Mais on a exposé, cherchez ça. C'est dans vos expositions. Moi, je ne vais pas vous le dire. Avant de continuer, vous devez me le dire. C'est la quatrième vision. Bozana ngora ba exposé. Même le prédicateur va éviter. Alors que c'est quelque chose de. Cherchez-moi, je ne continue pas. Et le minute que vous me laissez prendre là, je le récupère. Ma minute où vous êtes, bon qui se langa yango, nakoswa yango. Yo vous allez beaucoup de machine, alors quelle langa? Troisième. Misato. Donc vous avez raison. Dans la troisième vision. Nakati na limoni ya misato. L'une des visions qui caractérise cet âge. Dieu dit à Frère Branham de dire au peuple d'observer la Russie. Je vous ai lu la citation là où il vous a dit. Je fais répéter ça à l'église. Observez la Russie. Observez la Russie. Donc la Russie est dans la prophétie. Russie est dans la parmi les visions qui déterminent l'âge de l'Odyssée. Là où Frère Branham prêcherait le message du temps de la fin. Si je mets point, au TP point. Hein? Là où Frère Branham prêcherait le message du temps de la fin. C'est là que nous allons entrer maintenant pour terminer. Mais ce matin, mon inspiration, je l'ai intitulé Caché sous les ailes de la mère aigle. Amen. C'est l'espérance bénie. Nous sommes cachés. Bisoto bombani sous les ailes na sena mapapu de la mère aigle ya maman pongo. C'est notre espérance bénie. Wanande eliki na biso epambo pendant que le monde tremble en attendant ce que Poutine et la Russie préparent. Natango mokili bazali ko banga pe kolenga oyo Poutine. Nous le croyant du message biso bandimi ya sango. Nous sommes cachés to bombani sous les ailes na sena mapapu de la mère aigle ya maman pongo. Alléluia. Car le Seigneur Dieu ne fait rien. Le frère Branham nous a dit. Et le mardi. Et le jeudi. Je rentre un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Pour qu'ils comprennent et que nous puissions voler ensemble. Que Dieu m'a parlé. De cet âge ici. Qu'il viendrait trois graïsmes. Trois grands systèmes politiques. Le fascisme. Qui serait l'esprit qui est sorti de l'enfer.
Alléluia. Et qui serait là en Italie? Il y a le nazisme. Un système politique qui est sorti de l'enfer et qui animera là-bas en Allemagne. Et le troisième esprit qui était sorti en enfer, c'était le communisme. C'est le communisme qui serait un système politique qui sera à la Russie. Et qu'on allait à la Russie. Il a vu ces choses-là. Et il dit la fin des choses, c'est que les deux autres seront submergés dans le communisme. Ça entrerait dans l'autre système politique. Et que le monde sera dominé par ces gens-là. Mais attention, tous les trois encore. Nous avons lu Frère Madame, il a dit, ça serait englouti dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Le fascisme, ce système fascisme qui concerne à prendre un petit groupe de gens pour régner sur les autres. Et le nazisme, nazisme qui signifie qu'il n'y a qu'un seul peuple qui soit pur. Tous les autres sont comme des animaux. Ces deux systèmes vont entrer dans le communisme. Et le communisme, et le nazisme, et le fascisme. Tous seront engloutis dans le catholicisme. Non, vous avez parlé de romanisme et vous êtes en train de tâtonner. Ah, toi tu as dit catholicisme. Catholicisme. Dieu te bénisse. Ça va pas là. J'aime la précision, pas les tâtonnements. Ok. Pourquoi le catholicisme va se retrouver partout? Partout. Même chez les communistes. Parce que dans la statue de Nabucodonosor, dans les royaumes de Jati, le fer doit se retrouver même dans les orteils. Donc le système romain qui changerait la forme de Rome politique à Rome papale doit régner partout. Pourquoi même le communisme est sous le catholicisme? C'est pourquoi même dans les pays communistes, il y a les catholiques. Pour confirmer la vision de Daniel. Je ne craignais pas le communisme. Il y a quelque chose à craindre. Pendant que les gens ont peur de la Russie, ils tremblent devant Poutine. Ils oublient qu'il y a un royaume qui est plus fort que le royaume de Russie. Et ce royaume-là, c'est le royaume de la bête. C'est le royaume du dragon. C'est un royaume très méchant. C'est ce royaume qu'il faut craindre. Mais pour nous, enfants de Dieu, cachés sous les ailes de la mer aigle, c'est notre espérance bénie. Ainsi, commençons par Frère Branham. Laissez-moi récapituler. Dans la prédication, voici, il y a le plus grand de tous. Voici, il y a ici le plus grand que de tous. Paragraphe 26. Maintenant,
J'avais lu ça, je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là. Je me relirai pas ça des Écritures. Et maintenant, aujourd'hui, j'allais prêcher sur le sujet que je... Sur le sujet 26. Sur le sujet que j'avais. Je n'avais jamais prêché là-dessus jusque-là. J'ai essayé sur toute la côte. Mais je ne l'ai pas encore abordé. Mais je suis venu sur la côte de cette fois-ci. Comme je le disais hier soir, je crois que les grandes vagues se déplacent vers ici. Frappe la côte. Il y a un rideau ici. Ça ne peut pas aller plus loin. C'est le rideau du temps de Dieu. C'est là que Frère Madame nous a dit. Après avoir parlé de ce grand isme, Dieu m'a parlé encore de trois grands rideaux. Donc trois grands blocs qui se formeraient sur la terre. Je vous ai parlé de cela, je reprends ça pour ceux qui n'étaient pas là. À part ce système politique qui entrerait pour devenir le communisme et que le communisme sera conduit, redirigé par le catholicisme, il y a trois grands rideaux, donc trois grands blocs qui se formeraient dans cet âge ici. Et Frère Branham a vu cela. C'est là qu'il dit ici. Et comme on parle de rideau, laissez-moi vous avertir de quelque chose. Vous avez entendu parler du rideau de fer. Donc c'est un bloc formé par quelques pays. Et la tête de ce rideau, c'est la Russie. C'est la Russie. Rideau de fer. Rideau ya libende. Il y a la Russie ici. Avec d'autres pays. Ils ont formé un bloc. Obama avait vu cela. Et il dit, n'est-ce pas? Et du rideau de bambou à l'est. Et le rideau de bambou, c'est la Chine. Rideau de bambou de Chine. Avec les pays de l'est. Et aussi, ils forment un bloc. Il n'y a que trois rideaux. Maintenant, laissez-moi dire ceci de sorte que ça ne blesse pas. Mais vous saurez ce que je vais. Il y a un autre rideau. Il est appelé le rideau de pourpre. Et quand on parle de rideau de pourpre, il ramène le peuple à Apocalypse 13. Là où il y a une femme qui est assise sur une ville entourée de sept collines, elle est habillée en pourpre. Et cette femme-là, c'est une église. Amen. Et Frère me dit, Mama Lobi, il y a un autre rideau. Il est appelé le rideau de pourpre. Et bien, mi rideau à pourpre. Surveillez celui-là. C'est celui-là qu'il faut surveiller. Ce n'est pas la Russie qu'il faut surveiller. Mais c'est ces rideaux-là. Ces blocs-là. Et tout dirigé par une femme. Par une église. Il faut faire attention. Cela va prendre le pouvoir. Faites attention. Il va être si séduisant qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Et nous avons vu que ce troisième bloc, c'est Rome et les États-Unis. Et Rome na États-Unis. Et ses alliés. Et Frère nous a montré comment est-ce que le catholicisme est allé aux États-Unis. C'était par le vote des femmes. Elles ont donné leur voix à un homme qu'il ne fallait pas.
Le premier président catholique. Mais c'est John Kennedy. Et c'est à partir de là. Et ce bloc là qu'on appelle bloc de pourpre s'est formé. Dominé par la femme. Et comment ça m'a dit qui est assise sur une ville entourée de cette colline. Et vous connaissez la ville entourée de cette colline. Dans la géographie, c'est la Vatican. C'est le Vatican. Alléluia. Amen. Voyez, Omoni, faites attention. Bokeba. Il va être si séduisant. Qu'il séduirait même les élites si c'était possible, voyez. Et tout le monde a peur du communisme. Tout le monde a peur de la Russie. Tout le monde a peur de la Chine. On a peur de Corée. Corée du Nord. Avec le communisme. Il n'y a pas un passage des Écritures dans la Bible qui disent quoi que ce soit sur le communisme. Et communisme. Il ne faut pas avoir peur. Kobangate. Le cœur des hommes défaille de peur, mais pas nous. Nous sommes bien positionnés par rapport à ça. Amen. Il n'y a pas une écriture, il n'y a pas un passage d'écriture dans la Bible. Qui disent quoi que ce soit sur le communisme. Si ce n'est que cela va brûler la prostituée par le feu. Donc Dieu a préparé le communiste ou le communisme pour brûler la prostituée. Mais pas pour écraser le croyant élu de Dieu prédestiné par Dieu. Et ça dit pour bébé sa bandi minanzambe ba ponami pe ba lengela minanzambe. Et ça dit pour bébé sa te. Parce que vous n'avez pas dit ça. Cela joue bien un rôle entre les mains de Dieu. Mais surveillez le romanisme. C'est ce qui va y parvenir. Surveillez simplement. Pourquoi surveiller le romanisme? Parce que c'est lui l'Antichrist. Il va entrer partout. Et nous avons vu, il est entré même dans des églises du message. Un esprit de hiérarchie. Un esprit d'un petit groupe qui règne sur les autres. Un esprit des intouchables. Dans la parole, il n'y a pas des intouchables. Qui que tu sois, tu es touchable. Si tu commets l'erreur, la parole va te corriger. Que tu aies l'argent ou pas. Ton rang social n'a rien à dire. Alléluia. Amen. Ici dans perfection, perfection. Personne n'est plus grand que les autres. Moto, il n'y a que le Saint-Esprit. Nous refusons l'esprit romain ici. L'esprit balamite. L'esprit de Nicolaïs. Awate. Oya l'équipe à toi zate. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit. Nous nous respectons mutuellement. Mais personne ne règne sur personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui règne sur nous tous ici. C'est pourquoi nous ne voulons pas de pasteurs dictateurs. Et de pasteurs qui écrasent les gens. Loin de moi cette démo-là. Oui, je dois être humble. Mais pas trop humble. Dit la parole de Dieu. Surveillez le romanisme. Et laissez-moi vous le dire. Le romanisme dans la forme politique ne règne pas. Le romanisme règne aujourd'hui dans le domaine de l'esprit. Et cela a traversé toutes les églises. Parce que la Bible dit, elle a pris la coupe de son ivrognerie et de son impureté.
pudicité, et l'a donné à ses filles qui sont les églises. Et il y a des églises aujourd'hui. On a mis un nom là-bas. Tabernacle tel. Mais quand vous regardez la vie, c'est une dénomination. La première ou le premier caractère de la dénomination, c'est d'abord mettre l'homme devant Dieu ou avant. La parole dit, toi tu répliques notre pasteur. Vous êtes une dénomination. Pourquoi je le dis avec force comme ça? Branham m'a dit de surveiller le romanisme. C'est le pas Poutine qui tuera nos âmes. Mais ça Poutine t'es. Mais c'est le système diabolique satanique de l'enfer. Surveillez simplement. Amen. Amen. Écoutez William Branham. Yoka William Branham. Un antéchrist, ce n'est pas quelque chose qui renie absolument tout. Motel et Christo, ezali penza penza te oyo ezali ko boya to ezali ko wanga na nyoso. C'est si proche que cela séduirait même les élus si c'était possible. C'est ça l'antichrist. Amen. Amen. Si il fait chaud, pardonnez, on enlève ça. L'antichrist. Il est tellement proche. Azali pesa pene pene. Qu'il peut séduire même les élus. Si cela était possible. Jésus l'a dit. Surveillez cela. C'est la chose à garder à l'esprit. Moïse, réveille-toi. Faites attention, je risque de te ridiculiser. Surveillez cela. C'est la chose à garder à l'esprit. Surveillez le romanisme. Je vous dis, je peux prêcher ça pendant une année. Et ça me permettrait de rentrer encore dans les âges de l'église. Parce qu'on va encore prêcher les âges de l'église dans la forme. Amen. 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 Même ce que je viens de dire là, réveiller le frère là, c'est ça même le catholicisme, l'adoration silencieuse. C'est aussi un esprit catholique. Nous ne voulons pas ça ici. Nous ne sommes pas des Indiens pour adorer le sommeil. Oui, les Indiens ont un Dieu qu'on appelle le Dieu sommeil. Alors qu'on adore les bisous par India. Amen. Amen. Devons surveiller le mouvement. Je suis contre le romanisme. Je suis contre cet esprit-là. Vous pouvez dire que non, moi je n'entre pas dans les cathédrales, mais tu as les cathédrales à toi. C'est la chose à surveiller. Écoutez, Yoka. Un antichrist, motel et Christo, ce n'est pas quelque chose. Papa Jérémie, interprétez ngai. Un antichrist, ce n'est pas quelque chose qui renie absolument tout. Motel et Christo, ezali eloko moko te. Exactement. C'est si proche que cela se durait même les élus si c'était possible. Jésus l'a dit. Surveillez cela. C'est la chose à garder à l'esprit. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas peur de Poutine. On observe la Russie, on surveille le romanisme. On observe la Russie, on surveille le catholicisme. On observe la Russie, on surveille le système de la bête.
qu'il n'entre pas parmi nous. Le romanisme, c'est un esprit. Un groupe de gens devient important que les autres. Pas ici. Awate. En tant que paye 100 000 $, n'a pas considéré le col à frère et à paye 1 $. Amen. On a beau dire qu'on a mutu nabino. Amen. Parce que les âmes des gens ont le même prix. Pour te milo qu'on a bato, ezali na talo moko. 10 000 mondes. Mais on est tous pauvres, azala riche, azala mukuse, azala molai. Son âme écoute. Amen. 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 Est-ce que c'est la pure vérité? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Alléluia! Nous n'avons pas peur de la Russie. Nous n'avons même pas peur de ce qui se passe. Moi je dirais que Dieu puisse lui donner encore l'intelligence. Il fabrique encore Satan 4. Tout cela c'est dans le plan. Pour me ramener vers l'éternité. Pour me pousser à retourner là où je dois vivre éternellement. Mais pour les croyants du message, les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie, crée la foi de l'enlèvement dans le croyant de ce temps de la fin. Parce que lui, il n'a pas peur, mais il observe. Et quand il observe, il voit la saison. Et quand il voit la saison, il se prépare. Et quand il se prépare, il est sûr de ce qu'il fait. Acclamez le Seigneur pour ça. C'est pourquoi mes bien-aimés, pour boucler cette petite boucle, je vais ôter en toi la peur. Je te demande de regarder ce qui se passe positivement. Fais tes projets comme tu veux. Pense construire comme tu veux construire. Programme ton voyage comme tu veux le programmer. La bombe de la Russie ne te touchera pas. Bombe Russie, si tu es le croyant, so tu me par la révélation, tu es venu dans ce message. Je te dis, le fléau ne te touchera pas. C'est un fouet pour punir l'impu. Et Dieu ne juge pas le juste avec les injustes. Nous sommes cachés. Amen. Sous les ailes. Et la mère aigle. Tu vas dire, pasteur Josué. Tu tires ça où? Maintenant, je commence ma prédication de ce matin. Amen. Prenez Malachie chapitre 4. Bonjour, Malachie. Malachie, mon gabonamine. Verset 1. C'est là mon car voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Et ça l'écope la locola moto. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Bato na lolendo, pe bato na kazanyoso bakoza la lokola putulu. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mokolo ezali koya ekozi ki sabango nyoso. Elobi Yahweh na bibele ekoti ke la bango atamo si sate eloko moko pete. Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde est en train de proclamer maintenant? Yango na neba tonso bazali ko balelote. Les gens tremblent. Si seulement il déclenchait la troisième guerre mondiale, la terre sera pulvérisée de son orbite. Bato bazali ko lenga bazali ko lobete soki kaka a sali bombe ya mine wana a fini kaka bouton wana bato nyoso bakozika mokili nyoso ko panzana. Ils resteront comme des chaumes. Ça, c'est la pure vérité. Mais, verset 2.
Mais, Kasi, pour vous, bon abino, qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera où sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme de vos dîners. Pour les méchants, pour les hautains, le jour qui vient, les embrasera, les consumera. Et pour vous qui craignez le nom de l'Éternel, Dieu a dit, pour vous s'élèvera le ciel d'aigle. Commence d'abord à te réjouir déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui craint l'Éternel ici? Ça, c'est une espérance bénie. Zacharie 14, 6 et 7. Zacharie a zominamine. À ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Et c'est ce qui se passe. Les gens sont dans la confusion. La peur ici, la peur là-bas. On ne sait pas avancer, on ne sait pas reculer. On ne sait pas ce qui se prépare. Ça serait un jour unique. Poli de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. C'est-à-dire que ça serait un moment de confusion. Ne vers le soir. Pour vous qui craignez mon nom, les ailes d'aigle sont là. Et vers le soir, la lumière. Est-ce que vous êtes là? Béni soit le nom du Seigneur. Lise au frère Branham. Parle à cette montagne. Enlève ta peur. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai besoin que vous me donniez 100 000 dollars. Je veux une parcelle de 100 000 dollars de l'église. C'est ça, moi. Alors faites vos projets pour m'amener les 100 000. N'ayez pas peur de la Russie. Je ne vais pas vous aider. Oh, achetons ici à côté. Non. Naboui. Bolinga te ekosale. Amen. Alors ozo banga ni longwana ko banga. Enlève la peur. Motema notala. Na 100 000 wana na zana autant, il faut na pesa. Alors Poutine, il faut zela kuna. Poutine zela nano. Ngape na pesa yanga envelope. Hey. Oiko yoka. Amen. Comme ça tozo elo komo to tikela ka batemo de Jehovah. To tikela bango ngara mabe mabebote. Alléluia. Amen. Il est voisin. Ah, pasteur, yo. Fala bota magaka. Pasteur, il fallait que cause là. Amen. Parle à cette montagne. L'itéa lobana ngomba oyo. Paragraphe 35. Tukumitano, tukumisatunatano. Prêchez 15 12 57. Maintenant souvenez-vous. Siko bokanisa. Hey, des millions d'Américains périront. Et belé na bato d'Amérique bakokufa. Qu'est-ce qui empêcherait ce soir que toute cette nation soit détruite en 5 minutes? Et là, on dit que Satan a qu'a déclaré la science l'autre soir au sujet, à ce sujet, au cours de cette émission de l'échelle nationale. Et Zébi, elle a dit que la Russie nous dévance de 5 ans. Russie et Yébi Mingi Kolekabiso, et l'équipe Bisson, la Mambou la Mitano. Sauf à l'équipe, on a 5 ans. Tant que Bambazo pousse en 5 ans, on va au Kenewab. Tant que Bazo Bambazo Kenesu Wab. Liboso Lissousou. Ils ont un Spoutnik et ils peuvent embarquer un homme, 12 hommes, les envoyer là-haut dans le ciel. Bazalina satellite Moko, Bakoki Komema, Batota, Zomi, Namibale.
Et passer juste au-dessus des États-Unis et dire. Rendez-vous. Sinon vous serez réduit en cendres dans quelques minutes. Naturellement, nous allons nous rendre pour avoir la vie sauve. Solo pesato ko kende kuna poto poto ah, ah, pesa na biso pardon ah, tokobi pesa Qu'est-ce que passerait-il? Les soldats russes déferleraient ici par millions, couraient dans les rues. S'empareraient des femmes, violeraient les jeunes filles, les chéries. Quoi que ce soit, cela ne fait aucune différence pour eux, assurément. Ce sont des communistes. Et ils sont sans pitié. Qu'est-ce qui passerait-il? Ils entreront carrément dans une belle maison. Et ils vous foutront dehors. Et ils s'en serviraient. Il s'agit donc de la Russie. Et nous sommes un pays satellite. Laissez-moi vous le dire. L'Église ne verra pas cela. Ah, et comment on a macamboyo te? Que quelqu'un dise amen. Amen. Je t'assure. Quand Poutine partira aussi, ce ne serait pas Poutine, je ne sais pas qui. Serait là, vouloir rendre les États-Unis en cendres. Tango, l'Église. Tango, ce que aux relations qui Poutine, ce qui n'a aucun lien, à qui ne connaît pas être un bébé américain, yonso, l'ingomba et qu'on allait sous-souter. Ça, c'est mon espérance bénie. Ouais, elle sera partie lorsque cela arrivera. C'est ainsi dit le Seigneur. Elle sera partie à ce moment-là. Que quelqu'un dise alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Faites vos projets. Salama mwango lolongo lingi. Mariez-vous. Bobala. Oh non, tu sais vraiment. Oh, yé, bi, dans ça. Dans 3 ans, on ne sait pas. Tu connais ça tous les jours, tu es bien né comme ça lema. Papa, Italioté. Branama nous a dit. Ndeko Branama lobi na biso. Poutine ne gagnera aucune guerre. Poutine a ko longa et tumbata mon côté. Autrement dit la Russie. Tolo bata Russie. Ne va pas conquérir le monde en guerre. Et koki kokonza mokilité na etumba. Et ils sont seulement le fouet pour frapper deux choses. Bazali bango bazali kaka fimbo pona kobeta biloko mibale. Les États-Unis et la Rome. États-Unis pe Rome. Atasso ki Poutine na ye na biloko ne awa akobeta fachite. Parce que prophétie ezali. Amen. Tozo bangelo kote. Hein? Même si ayeka zo kabandundu. A aussi tuka bayanze loko bako sala ye. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie. Amen. Nous les croyants, on n'a pas peur de ça. Tant que l'épouse est sur la terre, il ne va pas devenir trop ivre. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois perfectionné. Il faut que tu deviennes comme Christ. Amen. Il faut que la perfection habite ton corps. Il faut que nous poussions cette terre. Il faut qu'on laisse des empreintes. Et après, départ. Amen. 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 Ça fait peur au cœur des hommes, mais pas à notre cœur. Un homme appelé de Dieu. Je suis en train de rachérir. Un homme appelé de Dieu. Paragraphe 165. Prêché à 58. Maintenant. Siko. Mais maintenant, c'est la fin de la dispensation des nations. Siko, zali, souk, na, tango, na, bikolo. Et la Russie. Pérusie. Les communistes. Communistes. Possède également une bombe dirigée
droit vers elle pour y mettre fin. Écoutez, ne vous en faites pas. Ça va venir. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus, donc États-Unis. C'est ce que dit la Bible. Cela viendra avec votre nom écrit dessus. Et à une seconde, elle sera réduite en poussière toute la nation. Ça sera l'anéantissement total. Ça, c'est la septième vision. Hein? Remarquez, c'est Dieu qui fait cela. Je sais que chez eux, ils ont une liberté totale. C'est une bande de païens. Mais Dieu n'a-t-il pas suscité des nations de païens pour remettre Israël au pas dans le passé? La Bible déclare que la Russie et le communisme sont simplement des instruments entre les mains de Dieu pour exterminer carrément les gens de la face de la terre. 168. Mais avant que cela n'arrive, écoutez, l'enlèvement aura lieu et apportera l'église à la maison avant que cela n'arrive. Je suis l'homme le plus béni d'avoir reçu William Branham, parce que Dieu m'a promis avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, le jour qui rendra les gens en chôme, je vous enverrai Élie le prophète. Et Branham me dit, quand Élie vient, il fait deux choses. Premièrement, il ramène le cœur des enfants à la foi des apôtres. C'est-à-dire, il restaure l'église des apôtres. Les miracles des apôtres. Le baptême des apôtres, le Saint-Esprit des apôtres, la guérison selon les apôtres, le mariage selon les apôtres. Et la deuxième chose, il révèle les secrets du mystère de sept tonnerres qui sont dans l'Apocalypse 10.